Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Re-coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le deuxième chapitre. Vous êtes prêts? C'est parti. On va voir dans quoi on va tomber cette fois-ci. Dans quel chapitre on va s'embarquer, etc. Donc vous avez pu voir, c'est quand même assez angoissant quand même. Hein. Là, c'était plutôt assez calme, à part le monstre qui fait un petit peu sursauter de temps en temps. Mais c'est pas vraiment très méchant pour le moment. Mais à mon avis, j'aimerais pas me retrouver du tout dans ce genre de situation, parce que n'importe qui d'entre nous, heureusement que ça reste une fiction, pas une réalité, aimerait être dans la peau du personnage. Hein. Eh ben, assez angoissant. Et j'aimerais jamais que quelqu'un se couche comme ça aussi répugnant sur moi. Franchement, je me flipperais dessus. Hein. Et vous? Le couvert du corps, on va prendre des pilules. Ok, ça c'est fait. Faudrait que je fasse attention maintenant ici. Quelqu'un? Pour l'instant, on a la chance, il n'y a personne. Du moins, j'espère. Putain, c'est qui ça? Ah, c'est l'infirmière. Ça te fait flipper ce genre de voix. On est réveillé, jeune homme. Et de quoi parlez-vous? Il n'y a que vous ici. Pour le moment. On dirait que tu viens de mourir. Ok. Je sais pas sur quoi on va tomber, mais on va bien rigoler. Ce qui est important, vous êtes toujours le bienvenu ici. Je suis à l'hôpital. Je crains de ne pouvoir vous répondre. Que oui. Je vous en prie, inscrivez-vous ici. Si vous ne signez pas, nous ne pourrons pas. Donc voilà, on va signer ici. En fait, cette personne-là sert juste, on va dire, à, comment expliquer ça, à sauvegarder. Donc vous avez vu, j'ai pas fait non plus... quelque chose de grand, je suis juste au chapitre 3, donc c'est pas... C'est moi-même qui l'ai fait, donc après... histoire d'avoir un petit peu l'aperçu, quoi, du jeu, est-ce qu'il est intéressant ou pas, oui, franchement, ça va. Mais là, c'est gore, hein. Donc après, on va bien rigoler au-delà, parce qu'il y a beaucoup de chapitres, hein. Je crois qu'il y en a 15 ou 20. Donc au-delà, on va bien rigoler, hein. Mais qu'est-ce... Ah non, je peux pas passer? Ok, d'accord. Bon, après, c'est à moi de pouvoir un petit peu vadrouiller... dans l'endroit en question. Ça sent le médicament. Là, y a rien. Dommage que tu peux pas ouvrir cette porte. Je crois, non, tu peux pas. Donc là, on dirait une chaise électrique. Non, plutôt une chaise à perfusion. Non, je dirais même une chaise électrique, on dirait. Ça fait un peu peur. Mais c'est très utile. Vous allez voir à quoi ça sert. Détendez-vous, jeune homme. Et c'est parti pour le cauchemar. Faut que j'arrête de faire le mouton, mais regardez. Qu'est-ce que vous faites? C'est pour votre bien. Ne vous débattez pas. Non! Arrêtez! Vous voyez? Voilà.
tout va mieux. Est-ce que je deviens dingue? Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je vous attends. Waouh, c'est parti. Merde, qu'est-ce que c'est? En face de moi, j'ai quoi? Oh. Des seringues? Je suis là. Donc pour les utiliser, il faudra que je fasse ça. Ok, donc là, on peut voir que j'ai pas mal de santé, je suis au minimum. Est-ce que je peux utiliser encore une deuxième fois? Je regarde une deuxième fois, non, négatif. Donc je vous conseille franchement de tout fouiller sur ce jeu. Sinon vous allez être dans l'embarras. Hein. Eh ben ils en ont mis des trucs à cacher. Hein. Bon, là je peux plus rien faire. C'est assez obscur quand même. Hein. Pour ceux qui se demandent est-ce que c'est un jeu au monde ouvert, non, négatif. C'est un jeu où t'as simplement tu dois suivre des chemins. Par-ci, par-là. Donc là, je suis en train de faire le côté droit, hein, donc normal. Après, je vais le côté droit, ouais, c'est ça. Et après, je vais faire le côté gauche, histoire de voir si j'ai rien oublié. Parce que si on oublie un élément ou quoi que ce soit, on est mort. Faudra vraiment tout fouiller. Et ça me permettra d'améliorer beaucoup plus facilement mes armes, mes compétences, parce qu'il faut savoir qu'il y a des compétences. Pour ceux qui me demandent comment c'est des compétences, bah tout simplement à force de trouver des boîtes, etc., ou des seringues, ou d'autres éléments, que vous pourrez combiner après par la suite, vous allez voir que ça va être très utile. Donc là, pour l'instant, je cherche un peu. Est-ce qu'il y a du monde? Non, ça va pour l'instant, ça reste assez calme. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Hein. Parce que le jeu est très différent, c'est-à-dire très aléatoire. C'est-à-dire, comment ça est très aléatoire? Bah en fait, c'est-à-dire que les monstres, plutôt les personnages, peuvent apparaître différemment. Donc un jour ils sont à droite et un jour ils peuvent être à gauche. Et un jour ils peuvent être deux fois à droite et c'est pour ça que tu te fais toujours flipper en fait, tout seul. Donc là je crois qu'il y a une boîte. Est-ce que je peux l'ouvrir? Ouais, donc là il y a quelque chose. Ouais, une... Un bocaux de trucs. Ah, la carcasse. C'est répugnant. Je vais enjamber le rocher. Non, même pas. Il suffisait juste que je marche dessus. Je vois qu'il y a un peu plus de lumière. Donc, je suis attiré par cette lumière-là. Mais, il y a quoi à faire ici? Il y a eu un feu de courant ou quoi que ce soit? Non, il n'y a rien. Ah, justement, on va ramasser la lumière. Enfin. T'en pas le flic. Eh ben, monsieur s'est cassé la cheville, limite. Donc là, il n'y a rien. Là, il y a quoi? Ça fait bizarre de jouer à un jeu super noir. En plus, j'ai pas dormi de la nuit, donc j'ai les yeux explosés. Et en même temps, je suis en train de me concentrer sur pas mal de choses, donc je vous dis pas comment je suis en train de pleurer. Parce que c'est bien de faire beaucoup de jeux, mais croyez-moi, la vie, elle en prend vraiment un coup. Donc là, j'ai essayé de voir, est-ce que je peux pas faire quelque chose avec lui? Oh, j'ai un revolver, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir enfin une arme, mais par contre, ça doit être comme sur Last of Us, tu as quelques balles et qu'il faut vraiment les garder précieusement. Waouh. Il avait faim, hein. Je suis repéré. Mais pas sérieux, je lui ai rien fait, limite, quoi. Je lui ai mis 4 balles, quoi. 4 balles. Ah, un bocal.
Là, il y a quoi? Ah, la caisse, elle se cache, je crois. Je suis pas certain. Bah, justement, si. Elle se détruit. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Comme par hasard, il n'y avait rien. Ah, c'est pas trop grave. Le tabouret, tu peux pas le détruire. Par contre, la vue, elle est assez particulière au début. Donc après, c'est juste une question d'adaptation. On est bien d'accord. Je crois qu'ici, je peux casser les boîtes. Ouais, bah tiens, je peux. Mais c'est pas pour autant qu'il te donne quelque chose. Donc là, il n'y a rien. J'observe, autour de moi il n'y a pas d'autre environnement. Là il y a une belle boîte. Eh vas-y tout seul hein, j'ai pas envie d'y aller. Non. On m'interdit de fréquenter ce genre d'endroit. Ça va pas, je tiens quand même à ma vie. Est-ce que ça se casse? Non, tu ne peux pas, c'est juste un élément de dépôt. Attends, est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Non, négatif. C'est quoi? C'est une personne qui marche. Ça fait mal, ça fait mal. Oh là. Tu voulais me prévenir du piège? Leslie, c'est ça? Je suis inspecteur de police. Je devrais pouvoir t'aider. Pouvoir t'aider? Merde. Comment je vais faire pour t'emmener à l'hôpital? L'hôpital. Bordel. Bordel, la pauvre. Alors, pour défaire le piège. Voilà. Donc, ces pièces, elles vont nous permettre tout simplement pour pouvoir fabriquer des trucs pour les arbalètes, etc., etc. Ça va être plutôt sympa, je pense. Donc, à moins de faire attention après de trop pas appuyer sur la détente. De conserver toutes les munitions pour pas non plus... Vous avez vu comment ça part super vite, hein. Sprinter, ok. Mais j'ai pas forcément envie de sprinter tout de suite. Parce qu'il y a rien d'intéressant. Là, il y a quoi? Est-ce qu'il y a des trucs à l'intérieur ou pas? Donc là, il y a une boîte de... J'ai dit une boîte de corbeau. Waouh, body, il est trop fort. Faut enflammer le corps, est-ce que vous avez pu voir? Donc avant ça, on va ramasser les choses à l'intérieur. Ok. Alors, la boîte d'allumettes, je crois bien. Je sais pas forcément à quoi ça sert toujours de brûler les corps. À mon avis, c'est pour pas qu'ils réapparaissent. Je vais attendre un peu pour voir s'il va les laisser tomber quelque chose ou pas. On verra bien. En fait, il m'a bien eu. Donc là, j'avance prudemment. Quelque chose ici ou pas? Non. En fait, je sais parce que pourquoi je fouille comme ça les zones. Vous allez voir, vous allez voir. Donc là, il y a un bâtiment. Franchement, j'aimerais pas me retrouver dans ce genre de situation, je vous le dis, hein. Ah, les jeux d'horreur, c'est vraiment un truc spécial, hein. Ah ouais. Ouverture de la porte, bien évidemment. On a encore elle. Tranquille, elle passe tranquillement dans les miroirs, elle. C'est Blanche-Neige. Blanche-Neige en pays des ténèbres. Oh, ma plaque de police, comme vous avez pu voir, journal de Sébastien. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Eh ben. Rendez-vous à l'intérieur. On va pénétrer dans le royaume de Blanche-Neige au pays des ténèbres. Oh non, c'est pas vrai. Hôpital psychiatrique encore. Encore ici. Je déteste cet endroit. Je crois que je perds la tête. Est-ce qu'on a la possibilité de sauvegarder comme on veut? Malheureusement, non. Donc après, c'est à moi de faire attention. Je vais essayer d'ouvrir un peu toutes les cellules. Négatif, elle est fermée, elle est même condamnée, celle-là. Non.
Bon, le miroir, il va me rebasculer de l'autre côté, je pense. Donc moi, je viens de cette cellule, on est bien d'accord. Ok, c'est juste un verre. Ça fait un peu bizarre par moment la caméra, donc vous en faites pas. On va sauvegarder. Ça m'évitera de me faire avoir si on a un vrai problème quelque part. Vous savez bien comment ça fonctionne ces jeux-là. Voilà. Est-ce qu'ils m'ont mis des éléments cachés quelque part? Non. Non, ça par contre, je peux pas le casser. Ou le détruire même. Pardon. Là, je peux pas... Non, je peux pas sauter, je peux pas aller là-bas. Il n'y a pas des pilules ou quoi que ce soit? C'est quoi ça? Ok, donc dans tous les miroirs, je peux me téléporter. Donc maintenant, les miroirs vont me servir tout simplement pour atterrir toujours ici. Ok, on le saura. Donc maintenant, pour améliorer enfin un petit peu mon cerveau, je sais pas ce qu'on peut lui mettre comme compétence particulière. On va voir. Alors, les aptitudes. On va voir qu'est-ce qu'on a. Waouh. Il y a pas mal d'aptitudes, d'accord? Donc la jauge de vie, qui sera beaucoup plus soutenue. On aura le temps de sprint maximum de 3 secondes, d'accord? Ça veut dire qu'il faudra courir extrêmement vite. Donc, attaque au corps à corps, ça va devenir vraiment plus intéressant. Efficacité des seringues, donc après, il y a des niveaux par rapport à ça. Les armes, c'est pareil. Multiplicateur de dégâts, cadence de tir, vitesse de chargement, de rechargement. Parce qu'il faut savoir qu'il est super loin chargé ce revolver. Capacité de chargeur, la précision et le coût critique. Oh là, comment ça coûte cher tout ça. Mais j'ai encore la possibilité d'améliorer ce que je veux. Donc le stock, munitions de pistolet, je peux en mettre plus, grenades. Donc on sait qu'on aura des grenades, des allumettes et tout le tralala. Alors, qu'est-ce que j'améliorerais le plus important pour ma part? Waouh, ça coûte la peau du cul leur truc, hein, quand même, on va pas se mentir. Hein. Donc je pense que je peux mettre... c'est trop cher. Hein. Faut vraiment que je fasse limite des trucs à 500 contre 500. Waouh. Donc les stocks... Munitions de pistolet, après il y a des niveaux, donc plus 5, on va passer à 15. Ah, on aura 50 balles après. Mais après, le problème, c'est qu'il faut les trouver, les balles. Et ça, c'est vraiment moins évident. Donc, les seringues, ça coûte trop cher. Je sais pas quoi améliorer dans un premier temps. Mais je pense que je prendrai... Alors, on a combien après? 150 de vie. Voilà, ça va être très peu quand même, 150. Hein. Attaque au corps à corps, ça me tenterait bien. Comme par hasard, il me manque un peu plus d'argent. 240, ça va devenir intéressant de mettre des coups de poing comme ça. Cadence de tir, je m'en fiche. Rechargement, je m'en fiche. Capacité du chargeur, je m'en fiche. Précision, ça va devenir un peu plus important, je pense. Coup critique, je pense que je prendrai le coup critique. Hein. Ça va devenir le truc le plus important. Donc, améliore vos chances de porter un coup critique en visant l'ennemi à la tête. Ah, tu m'étonnes. Ça m'évitera de gaspiller des balles. Il me reste 300. Je sais que je peux rien faire avec 300. C'est 500 minimum sur le jeu. Ok. Heureusement pour moi que j'ai ramassé pas mal de choses. Hein. Voilà. On fait un retour en arrière. Et on va chercher d'autres améliorations, des bocals, etc. Allez, Body. À toi de jouer. Donc, bien évidemment, on repart. Pour l'instant, on s'en sort plutôt bien, je sais pas ce que vous en dites, mais c'est pas pour autant qu'on va survivre à cette aventure assez périlleuse. Nickel. Waouh. Bon. En tout cas, vous avez vu que c'est super important les bocaux que j'ai ramassés. Pour l'instant, j'ai de la chance, c'est que je les ai tous trouvés du premier coup, mais à mon avis, je vais en louper certains dans le niveau, dans le jeu. Mais moi, je suis assez perfectionniste, c'est-à-dire j'aime bien prendre mon temps dans les jeux vidéo, ne pas trop me précipiter. Tout simplement parce qu'il faut se dépêcher pour faire une série. J'ai pas de temps, vous avez pas le temps, vous n'êtes pas pressé. Donc si vous regardez la série, c'est que vous avez envie de découvrir comme moi pleinement le jeu que de voir, on va dire, que le fragment principal et vous, rien voir autour en fait au niveau de l'exploration. C'est comme ça que je vois le jeu en fait. Je préfère le faire par passion. Tout simplement de me dire, ah mais tu sais, faut se dépêcher, ça sert à rien. On va louper beaucoup de choses comme ça. Donc là pour l'instant il m'a pas détecté, coup de chance pour moi, coup de malheur. Quelle belle crampe il m'a mis. Quelle crampe. Ah, le papy, il est chaud. Il est chaud. Pour l'instant, ça va.
Est-ce que je peux repartir en arrière et ne pas me faire voir? Je suis pas certain. Non, il s'en fout complètement. Bon, bah, j'ai loupé la seule chance de la furtivité. Alors, 1. 2. Ok. Donc, je sais qu'il faut 2 balles maintenant, mais j'ai plus du tout de... Comment expliquer ça? De balles dans mon barillet. Parce que c'est un revolver que j'ai dans les mains. Et pas un pistolet. Donc, du coup, mon barillet est vide. Là, il y a quoi? Je crois qu'il y a quelque chose. Non, il n'y a rien. Quand tu peux passer par là? Non, négatif. En fait, il y a des points morts comme ça par moment. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Body? Ouvre-moi la porte. Il y a un mec qui s'est enfui. On se demande qu'est-ce qu'il va faire. Hein. Donc, à moi de courir. Donc, avant ça, est-ce que... Oh là là, ok. Donc, est-ce que j'ai un temps de course ou pas? Attendez, je regarde juste un truc rapidement. Parce que j'ai rien oublié ici. Ouais, c'est comme Last of Us, hein, exactement pareil. Hein. Faut tout fouiller. Hein. Ah, il fait vraiment flipper ce jeu-là. Ah, il fait la panique, elle est présente. Hein. Ok. Donc là, il n'y a rien de particulier. Donc là, il y a une statue. Faut les détruire. On débloque des choses. Donc une clé. Ah, tu vois, justement, il y avait une clé, sinon tu poursuis pas. Donc là, je pense que je vais essayer de... Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Hein. Mais comment ça claque les yeux? Donc là, il y a 2 bouteilles, je crois. Je vois qu'il y a quelques monstres. Hein. Attention. Hein. Il est dégueulasse. Il y a des gens, mon dieu, et c'est pas... Ah, je vais rien dire. Hey, excusez-moi, vous êtes du coin? Je suis paumé et... Je ne peux pas continuer. Vraiment un drôle de jeu quand même. Hein. Alors, la petite bouteille. Ils sont mignons parce qu'ils me disent de tirer, mais j'ai pas de balle. Donc, comment tu veux que je tire? Alors, il est juste là. Je vais essayer d'éteindre la torche. Je vais observer rapidement, ou même un peu, le mouvement des adversaires. Histoire de pas me faire avoir. Ok, donc comment ils vont se déplacer? Pour l'instant, ils sont juste derrière la porte. Moi, je pense que je peux passer à travers quelque chose. Ouais, non, en fait, pour l'instant, on va attendre un peu. C'est un jeu où il faut être très, très patient. Il faut pas avoir peur d'attendre 5-10 minutes limite pour pouvoir enchaîner la suite. Pour l'instant, il me voit pas. D'accord, bon, mais il m'a démasqué. Bon, bah, on va courir un peu, histoire de s'enfuir. Coucou, toi, le méchant. Je suis en train de prendre la fuite. Là, y'a rien. Par contre, y'a beaucoup d'endroits morts. Hein. Ah, y'a quelque chose là-bas. Je suis pas certain, mais... Est-ce qu'on peut prendre cet élément? Non, c'est juste un élément mort. Bon, je poursuis, je me suis jamais aventuré là-dedans, mais c'est histoire de voir s'il n'y a pas des trésors ou quelque chose caché. Rien qu'à le regarder, je me sens attiré dans sa direction. Tu vois, en fait, il y a un phare quelque part, sur une île assez tragique. Il ne peut pas nager. Oh putain, il est juste derrière moi. Hey, je suis pas ton copain. Donc pour ceux qui se demandent que c'est pour l'instant super facile, bah croyez-moi, c'est pas si facile que ça. Faut juste bien esquiver les monstres. Et c'est pas forcément quelque chose qui est facile à faire. Sauf que je me suis un peu exercé pour être vraiment franc.
Parce que dès que vous faites choper, vous faites vraiment choper. Par contre, il n'y a pas de bocal depuis tout à l'heure. Je suis déçu. Mais je crois qu'il y a quelque chose que j'ai dû manquer en fait. Je fais un retour en arrière, ok. Un petit retour en arrière s'impose. J'essaie de le contourner lui. J'espère juste qu'il ne va pas se retourner brusquement parce que j'ai toujours le chic moi dans ce genre de jeu. Et bah tu vois justement si. Coup de chance pour moi. Coup de chance hein. Donc là il y avait quoi? Il y avait quelque chose à ramasser. Tu vois, on allait déjà oublier un livre. Donc là c'est un truc de village. On va faire un petit tour dans cette maison. Alors qu'est-ce qu'il y a? 5 allumettes, ok. Brûler le corps. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres cachettes, d'autres trésors à l'intérieur? Non, il n'y a rien. De toute façon, je suis con, je peux allumer mon truc. Ah, peut-être que là, il y a quelque chose dans le négatif. Ah, tu vois? Oh, l'angoisse de dingue que ça te donne ce jeu. Alors le revolver, on va le recharger. On recharge le revolver body. Comment tu fais pour recharger? Attends. Voilà, c'est ça la bonne touche. C'est bon. Au moins je partirai moins peureux maintenant. Vous voyez, j'allais perdre tout simplement pas mal de capacités tout ça parce qu'à vouloir toujours foncer la tête en avant sur l'objectif, pas bon du tout. On aurait pu totalement se louper. Aïe. Oh, le piège aussi, il a failli m'exploser la gueule. On va désamorcer ça. Je sais pas où il est le mec, hein, par contre. Hein. C'est le même que tout à l'heure. Elle m'a fait flipper. Franchement, je vous dis pas, j'étais en état de stress. Ok, éliminé. Il se relève, hein. Vous avez vu, il s'est relevé. Hein. Donc ça a l'air facile, mais si vous n'avez pas d'allumettes, les ennemis se relèvent limite presque à l'infini. Est-ce qu'il va faire tomber quelque chose ou pas? Non, négatif, il n'y a rien. Allez, je poursuis. Donc là-bas, j'ai combien d'adversaires? J'en ai un, voire deux. Ah là là, il y en a deux. J'ai essayé de me faufiler un peu partout. Comment avoir deux mecs en même temps? Ça, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus risqué. Hein. Et merde, il y a une barrière. Ça va, le bruit, il a pas trop alerté. Nickel. On va le brûler. Je m'en vais. Je vais un peu fouiller les autres endroits. Donc la bouteille pour l'instant, j'ai pas besoin d'attirer d'autres personnages avec. Oh les malins, ils m'ont donné qu'une boîte d'allumettes. Qu'une boîte de munitions. Là je peux casser, je crois. Ah, 300, ça fait plaisir au moins pour améliorer quelque chose. Alors là, on va lancer ça à l'intérieur. Merde, il y a un mec à l'intérieur. Il y en a encore un autre. Waouh, coucou. Et où? Voilà, va te faire.
Donc là, on a eu de la chance dans notre malheur. On va voir. Ah, il m'a fait sursauter, hein. Donc là, on a encore des pièges. Ok, d'accord. Ah, faut aller voir les trucs, hein. Bon, je vais le garder celui-là pour le boss, pour le méchant. Moi, je vais pénétrer dans la maison rapidement. Alors là, il y a quoi d'intéressant dedans? Alors, une seringue. On va éclairer un peu plus le truc. C'est quoi ça? Quelque chose là. Ah, ça, c'est pour se cacher en dessous le lit. Ok. Attends, j'ai loupé quelque chose sur le truc, non? Boum, tu pètes. T'es mort. Donc là, il y a des pièges, donc je vais les désamorcer. Donc il y en a 4 à désamorcer. Et voilà, des 2. 2, 3. Et le quatrième, il est juste quelque part ici. Bah en fait, il était là. Est-ce que cet abruti va se prendre le piège ou pas? Il voulait me balayer. C'est moi qui l'ai pris. Ah putain, je savais même pas qu'on pouvait se prendre un piège, moi aussi. Attends, est-ce qu'il va se prendre le piège ou pas, lui? Allez, marche dedans, marche dedans. Ah la connerie. C'est bon, on lui a explosé la gueule. Brûle-le. Ok, d'accord, c'est des pièges uniques en fait. Ok, d'accord, bah tu m'étonnes. Désactive. Là, j'ai l'impression qu'il y a une autre maison. Oh là là, elle est dans un sale état celle-là par contre, hein. Elle est en feu complètement. Alors, un petit bocal, ça fait plaisir. En tout cas, comme ça, on pourra améliorer beaucoup plus de capacité. Oh lolo, putain. Hein. Ouais, donc c'est bien là. Faut bien tout désamorcer, parce que sinon on risque de se faire bien exploser la gueule. Je crois bien que ça va être ça. Voilà, c'est important de les brûler, parce que sinon vous allez dire comment ça, c'est... Parce qu'en fait, ils se ressuscitent, et c'est eux deux, en fait, au bout d'un moment, dès que vous allez ouvrir la barrière, ils vont revenir à la vie. Qu'est-ce que j'ai eu comme problème la première fois? Je me suis chié dessus. Franchement, ils se sont réveillés. Ils m'ont fait la misère. Cool, 1600. C'est pas trop beau. C'est pas beaucoup, mais on avance petit à petit. Je sais pas où ça nous mène, mais en tout cas, je vais explorer rapidement l'endroit. Oh, les seringues, bah, dans ce cas-là, je vais me piquer. Donc, seringue, on se pique. Donc, si j'en ai une et je peux pas la prendre, bah, je veux pas déconner non plus. Hein. Donc là, on a un fragment de carte. À mon avis, on aura toute une carte à explorer. Ok. Après, on va éviter de faire la même chose partout. Qu'est-ce que je peux faire de dingue là? Oh là là, ils sont trop nombreux là-dedans. Vas-y tout seul, hein. Putain. C'est ça. Ne vous occupez pas de moi. Bon bah salut, hein. Je suis passé juste comme ça en coup de vent. Coucou. Eh merde, et on fait comment pour s'enfuir d'ici? C'est un truc de ouf ce jeu. Je suis poursuivi pas par un zombie, pas par deux, mais par une cinquantaine cette fois-ci. Aïe aïe aïe. Je suis poursuivi par 50 zombies. Waouh waouh waouh. J'ai toute la famille. Bon, je fais quand même un tour en arrière histoire de voir qu'est-ce que j'ai loupé. Tout.
Il n'y a pas un piège activé quelque part? Justement, non. Oh, ils ont rien mis. Attention, je peux me faire coincer rapidement. Ah, je peux me passer nulle part. Waouh. Il y a toute la famille qui arrive. En plus, l'outil cavale un peu. Attends, est-ce que je peux les allumer en fait? Je suis pas sûr, mais ça m'arrangerait bien d'en cramer un en fait, un corps. Je fais juste un test. Vous allez me dire, mais Body, se tape des petits délires. Ouais, c'est histoire de voir, est-ce que je peux craquer une allumette? Si oui, bah en fait, leur corps, ça va devenir en fait quelque chose de sympa. Non, je peux pas craquer une allumette. Merde. Bon, bah là, je m'enfuis totalement. Ça sert à rien de rester là. Je peux passer par là, non négatif. C'est un jeu à sens unique, hein. Faut pas que je cours trop non plus, parce que si je commence à courir un peu trop, bah je vais m'épuiser et ça va pas être bon du tout pour moi. Par contre, c'est où là? Non, ça m'étonnerait que j'aille là-dedans. Viens, Body, tu vas mourir. Voilà. Et là, tu vas où? Bonne question. Il y a des pertes en fait, c'est pas dire il n'y a pas des pertes, mais il y a des blocages en fait, il y a des murs invisibles pour ceux qui connaissent les jeux vidéo. Donc je peux pas monter où je veux. Ok, j'ai compris pourquoi, parce qu'il y a un petit pont à monter ici sur le côté. Donc j'espère que c'est bien ça. Waouh, eh, ça fait flipper. En fait, je suis con, je repars dans le même côté. Et merde. Et merde, comment tu te débarrasses de tous ces deux zombies? Parce que si je suis attaqué, je suis fini, hein. Je vous conseille rapidement de faire comme moi, je sprint par un coup. Parce que si vous allez en pleine vitesse, bah vous allez vous faire avoir. Encore, regardez, je dis que des conneries parce que je me suis fait avoir par rapport à mon endurance. Waouh. Dommage que je peux pas craquer sincèrement une allumette ici. Bon, par contre, le chemin, t'es où là, le chemin? Oh, ils vont me rendre dingue. Ah, bon, en fait, il est en face de moi, mais quel con moi aussi. Ah non, mais sérieux, moi, je commence à contourner tout un truc, mais c'était juste derrière moi. Merde. Eh ben. Faut pas que je reste ici. Franchement, moi, je commence à me chier dessus, là. Vu la meute de zombies. C'est bon. C'est pas vrai. Et ben voilà les amis, chapitre 2 terminé. J'espère que ça vous a fait plaisir. Donc il était un peu plus long ce chapitre là. Après je vous mettrai pas des séries aussi longues, parce que pour moi c'est une galère pour les mettre. Donc j'essaierai tout simplement de vous mettre des vidéos de 20-25 minutes comme j'ai expliqué au début, parce qu'après ça va devenir trop long pour moi et ça va être vraiment une mission impossible. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Et n'ayez pas trop peur. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a fait plaisir. Arrêtez. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout, merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si bien sûr vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos qui vont arriver très prochainement sur pas mal de jeux différents. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et j'ai créé aussi un site internet. Ça vous permettra de tout simplement trouver pas mal de choses très intéressantes dessus. Tous les liens sont dans la description, et si vous cherchez aussi des bons plans, c'est également dans la description. A bientôt les amis, prenez soin de vous, et à très bientôt.